la recherche pour le développement dans le cadre de IFWA consiste à travailler ensemble avec les producteurs. Donc, si on les intègre dans le processus de développement, ils adoptent beaucoup plus facilement ce qui est mis à leur disposition plus tard. Si je prends par exemple le cas du Bénin, l'économie du Bénin est basée sur l'agriculture. Et quand on dit agriculture, c'est production végétale et production animale. Le fait de développer les asticots, automatiquement, on n'importe plus la farine de poisson. Ça fait que les devises restent dans le pays. Et l'importance économique de l'utilisation des larves de mouches dans l'alimentation des animaux consiste à ne pas utiliser les intrants qui sont achetés dans les lieux de fabrique d'aliments pour bétail, tels que la farine de poisson, le son, le couteau de soja, ainsi de suite. Les paysans ont même pas la possibilité de produire les sources de protéines et de mettre à la disposition de leurs volailles à partir des ingrédients qu'ils ont sous la main dans leur village. On a fait une petite cage grillagée et on a mis les pulpes dedans. Quelques jours après, j'ai constaté que les mouches ont commencé par sortir. Donc, j'ai déposé et le substrat et avec les feuilles, et les mouches ont commencé par donner des œufs. Donc, c'est de là que j'ai commencé les multiplications. Mouches soldats seulement. Oui, c'est la mouche soldat seulement. Et mouche soldat, nous pouvons comprendre cette mouche qui, d'abord, elle n'est pas nuisible à l'homme. Et nous avons, avec cette mouche, des larves plus grosses que celles de notre mouche domestique. Et une seule mouche peut pondre jusqu'à 100 à 200, voire même 1000 œufs au cours de son cycle. Et avec cette mouche, nous pouvons aider les éleveurs à avoir une quantité importante de larves pour pouvoir nourrir leur cheptel en si peu de temps. Au Burkina, nous travaillons sur les larves de mouches, encore appelées asticots, et les termites dans la nutrition de la volaille. Et c'est quel type de volaille? C'est surtout la volaille traditionnelle, à savoir les pintades et les poulets. Voilà. Et l'objectif ou les objectifs du projet, c'est de développer des systèmes de production de masse et des asticots, et aussi travailler à optimiser les méthodes de collecte ou de piégeage des termites. On attend 2 ou 3 jours, on a beaucoup de asticots. Et ce qui est avantageux, on ne dépense pas pour avoir ça. Parce que la matière même se trouve avec nous. C'est comme on avait une bonne chose à côté de nous comme ça. Voilà. On n'a pas besoin d'aller acheter la matière ailleurs. On a tout avec nous. Grâce au projet, on a pu comprendre qu'on a un moyen de produire les aliments à côté de nous. C'est déjà une bonne chose. Ouais. Ils nous ont montré comment il faut couper les bidons, comment il faut mélanger. On était beaucoup, en tout cas chacun de nous a appris. Au village ici, bon, pas beaucoup de gens savent produire les asticots grâce à IFWA. Voilà. Là.
Alors, ça va, c'est après demain qu'on peut servir. Tu vois, les poussins là, ils sont jolis à voir quand ils mangent ça. Et ils ont la croissance. Voilà. Ils sont habitués à ça. Oui, ils sont habitués. Okay. La fiente constitue le meilleur substrat. Et c'est avec cette fiente-là que nous avons mené bon nombre de tests de production. Voilà. À cela s'ajoutent certains substrats tels que la bouche de vache, les poutins des petits ruminants, et aussi les substrats d'origine végétale tels que le son de maïs, le son de mil. Et à cela, nous pouvons ajouter, en vue d'optimiser, des attractifs. Et ça, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de l'arbre de mouche, beaucoup plus classique que nous pouvons utiliser. Comment on optimise la production? C'est d'abord en recensant les substrats disponibles en milieu rural qu'on pourrait utiliser. Et avec quel récipient ces producteurs-là le font? Utiliser les meilleurs substrats avec les meilleurs récipients en vue d'optimiser la production. Les asticots, là, il suffit d'avoir l'eau. Les fientes des poulets, là, sont là. Donc, je ramasse les fientes, là. Je mets dans un sac. Chaque jour, je mélange. Chaque jour, je mélange pour ne pas manquer des asticots. Donc, tous les jours, j'ai des asticots à donner aux poussins. Et après, maintenant, il était question de venir auprès des producteurs et de leur montrer ce que nous avons pu avoir en station, recueillir en tout cas leurs points de vue, leur façon de penser, leur façon de voir les choses et essayer de combiner les pratiques sur le terrain avec les pratiques en station et afin de mieux mettre au point nos systèmes. Voilà. Et après ça, nous avons procédé à des formations dans la production des asticots. Voilà. Et Sinena, qui est un des villages pilotes, a bénéficié de cette formation. Et la formation a concerné 50 producteurs par localité. Et ces 50 producteurs, l'idée était que ces 50 producteurs formés puissent former d'autres personnes. C'est facile. Thank you.